Greetings, beloved. A warm welcome to the Faith and Victory family and to visitors alike. Have your pen and pad at hand and get ready to receive a word from God. Please subscribe, like, share, and comment. We welcome any suggestions. If you have some, please send them to our technical team in the DMs and private messages. God bless you. Bien-aimés, ce soir, nous allons prier. Mais avant de prier, j'aimerais exhorter sur la prière. Et mon exhortation est tirée de Luc 18. My exhortation is in Luke chapter 18. À partir du premier verset. From verse 1. Luke chapter 18, from verse 1. I'm going to read in English, Luke chapter 18 from verse 1. I will read in English, I'll stick to English. Verse 1. Then he spoke a parable to them that men always ought to pray and not lose heart. Saying, there was in a certain city a judge who did not fear God nor regard men. Now, there was a widow in that city, and she came to him saying, get justice for me from my adversary. And he would not for a while, but afterward he said within himself, though I do not fear God nor regard man, yet because this widow troubles me, I will avenge her. I will avenge her, lest by her continual coming she weary me. Then the Lord said, hear what the unjust judge said. And shall God not avenge his own elect who cry out day and night to him, though he bears long with them? I tell you that he will avenge them speedily. Nevertheless, when the Son of Man comes, will he really find faith on the earth? Amen. Let's read in English, in French. À partir du verset 1, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu, et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et ne tardera-t-il à leur égard? Hallelujah. Amen. The Bible starts by saying, he spoke to them a parable to show that men always ought to pray and not lose heart. Ce chapitre commence en disant que Jésus leur adressa une parabole pour leur montrer il faut toujours prier et ne jamais abandonner. That men always ought to pray. Que les hommes doivent toujours prier. That means there is no favorable time to pray. Cela veut dire qu'il n'y a pas un temps favorable pour prier. There is no favorable place to pray. Il n'y a pas un endroit favorable pour prier. We pray anytime. Nous prions à tout moment. We pray anywhere. Nous prions à n'importe quel endroit. We can pray while we are driving. Nous pouvons prier pendant que nous conduisons. We can pray while we are doing chores in the house. Nous pouvons prier en faisant le ménage. We can pray anywhere while we are waiting for our taxi or our bus. Nous pouvons prier en attendant un taxi, en attendant le bus. We can pray at the airport while we are waiting to board the flight. Nous pouvons prier à l'aéroport en attendant son avion. He told them this parable that men always ought to pray. I insist on the word always. Il leur adressait cette parabole pour leur montrer qu'il faut toujours prier. Et je mets l'accent sur toujours. That means, cela veut dire, there is not a good season to pray. Il n'y a pas une bonne saison pour prier. And another season where we must not pray. Et une autre saison où il ne faut pas prier. In good times, we pray. In bad times, we pray. Dans les bons et les mauvais moments, nous devons prier. When we are fighting, we pray. When we win the victory, we pray.
Quand nous sommes dans un combat, nous devons prier, et quand nous gagnons, nous devons continuer à prier. Many times when you read the life of Jesus Christ, you will see that he was withdrawing from the crowd to go and pray. Quand nous lisons et nous étudions la vie de Jésus-Christ, nous voyons que plusieurs fois il se retirait pour aller prier. He would withdraw from his disciples to go to the mountains to pray. Il se retirait de ses disciples pour monter à la montagne et prier. One day after performing miracles in a certain city, he withdrew to go and pray. Un jour après avoir fait beaucoup de miracles dans une certaine ville, il s'est retiré pour aller prier. And the men were looking for him. Et les gens le cherchaient. When they found him the next day, quand ils l'ont trouvé le lendemain, they said, "Where have you been? We've been looking for you all night." Ils l'ont demandé, où étais-tu? On t'a cherché toute la nuit. But the whole night he was praying. Mais toute la nuit il priait. And this is how we need to live our lives. Et c'est ainsi que nous devons vivre nos vies. How do you pray? Comment est-ce que tu pries? How do you need to model your prayer? How do you model your prayer? Comment est-ce que tu façonnes tes prières? After Jesus. Après Jésus. Now there is this widow. Et il y avait cette veuve. Who is going to the judge to ask for justice? Qui allait vers le juge pour chercher la justice. You know, life has not changed much for widows. La vie ne change pas vraiment quand il s'agit des veuves. That's why God is their ultimate defender. Voilà pourquoi Dieu est leur défenseur suprême. He is the defender of widows. Il est le défenseur des veuves. Even in these days. Même en nos jours. There is a widow going to ask for justice. Il y a des veuves qui vont chercher la justice against her adversaries. Contre leurs adversaires. Just like today, many, when their husband passes away, then people are trying to take their houses and their property away from them. I believe it was something like that. Comme de nos jours, quand il y a une veuve, les gens essaient de l'arracher sa maison, ses biens, et j'imagine que c'était la même histoire pour cette veuve. She went to the judge, I need justice. Elle est allée vers le juge cherchant la justice. The judge says, you know what? Et le juge a dit, tu sais quoi? This one is bothering me. Cette femme me dérange. Let me give her justice so I can have some peace. Je vais lui faire justice afin que je trouve la paix. That means she kept going to the judge day after day. Cela veut dire qu'elle allait vers le juge jour après jour. In verse 5, he says, because this widow troubles me, I will avenge her. Le verset 5 dit, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice. Lest by her continual coming, she weary me. Afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. By her continual coming. Venir sans cesse. It means she kept praying. Cela veut dire qu'elle continue à prier. Asking for justice. Cherchant la justice. Avenge me against my enemies. Venge-moi contre mes ennemis. And the judge says, no, this one, she's troubling me. Et le juge a dit, cette femme me dérange. I need to avenge her. Je dois lui venger. I ask myself if she only went once and started waiting for the judge. Je me demande si elle était allée juste une fois et elle s'était mise à attendre le juge. If she went to the judge once. Si elle était allée une fois. She told him once. Pour raconter son problème une fois. My enemies are troubling me. Please save me. En disant mes ennemis me troublent, sauve-moi. And then she went home to wait. Et puis elle rentre chez elle pour attendre. Would the judge get to this conclusion? Est-ce que le juge allait arriver à cette conclusion? Would the judge have given her a speedy answer? Est-ce que le juge allait lui donner une réponse rapide? No, the judge gave her the answer because she kept coming and she kept coming. She kept praying and she kept praying. Le juge lui a répondu parce qu'elle venait jour après jour. Elle priait jour après jour. And that's where we are different from this widow. Et c'est là que nous sommes différents de cette veuve. The Bible says, la Bible dit, shall God not avenge his elect? Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus? Who cry out to him day and night? Qui crient à lui jour et nuit. Beloved, do you cry today to God day and night? Bien-aimé, est-ce que tu cries à Dieu jour et nuit? Or do you cry to him once and then you go wait? Ou bien tu cries juste une fois et puis tu attends. That is not the kind of prayer that God is expecting from us. Ce n'est pas le genre de prière que Dieu s'attend. God wants us to pray all the time. Dieu veut que nous prions à tout moment. A consistent prayer. Une prière consistante. A prayer of determination. Une prière de détermination. Until you have obtained what you are asking for. Jusqu'à ce que tu obtiennes ce que tu cherches. Not to pray only when you feel like it. Pas seulement prier quand cela t'arrange. Not to pray only when problems become too hot to handle.
Pas seulement prier quand tu es dépassé par tes problèmes. That is not what God is expecting from us. Ce n'est pas ce que Dieu attend de nous. We prayed in, you know, in January, we prayed 36 days. In January, in February, we were fasting and praying for 36 days. That was the last time you prayed. Depuis le jeûne de 36 jours au mois de janvier et février, tu n'as plus jamais prié. C'était ta dernière fois que tu as prié. And even in that fasting of 36 days, you did not even fast and pray for 36 days. Et même pendant les 36 jours, tu n'as pas jeûné tous les 36 jours. You fasted 3 times. Tu as jeûné 3 jours. And you came to church 6 times. Et puis tu es venu à l'église 6 fois. Out of 36 days. Sur 36 jours. That is not crying out to God day and night. Cela n'est pas crier à Dieu jour et nuit. And then you will say, no, God himself knows. Et puis tu te dis, Dieu lui-même sait. No. Non. Even if he knows. Même s'il sait. He wants you to pray. Il veut que tu pries. Even if he knows. Même s'il he sait. He wants you to have fellowship with him. Il veut que tu aies la communion avec lui. Isaiah chapter 65 and verse 24. Ésaïe 65, le verset 24. The Bible says, before they call, I will answer. And while they are still speaking, I will hear. That means there must be a calling from you and there must be a speaking from you. Ésaïe 65, le verset 24. Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Cela veut dire que tu dois invoquer et tu dois parler à Dieu. He's not saying, don't call me because I know. Il ne dit pas que ne m'invoque pas parce que je sais. Don't speak to me because I know. Ne me parle pas parce que je connais. No, he says, speak to me. Il dit, parle-moi. I will hear you while you are speaking. Et je t'entendrai pendant que tu parles. And I will answer you before you call on me. Et j'exaucerai avant que tu ne m'invoques. That means he wants to have fellowship with you in prayer. Cela veut dire qu'il veut avoir la communion avec toi par la prière. We must pray always. Nous devons prier toujours. No, I've already prayed. Now I'm waiting for my season. It will come in my season. Tu te dis, non, moi j'ai déjà prié, maintenant j'attends ma saison. What season? Quelle saison? A season when you are praying every 3 months, you pray once. Ta saison, c'est une fois tous les 3 mois. There is a way you can pray your season into existence. Il y a une façon de prier et tu vas emmener ta saison en existence. When you go after what you need. Quand tu cherches ce dont tu as besoin. When you go and snatch what you need. Quand tu vas arracher ce dont tu as there besoin. There is a time when you can pray your breakthrough into existence. Il y a une prière que tu peux faire et tu amènes ta percée en existence. By crying out to him day and night, and the Lord says, you know what? I can't hold it any longer. I'm going to give it to her. I will give it to me. I need some peace. En criant vers Dieu jour et nuit, et Dieu dit, je ne peux pas lui faire attendre. Je veux lui donner ce qu'elle est en train de chercher. You can pray your season into existence. Tu peux prier et emmener ta saison en existence. Let's go to James chapter 5 and verse 16. Lisons Jacques chapitre 5, verset 16. James chapter 5. Jacques chapitre 5. Verse 16. Verset 16. Confess your trespasses to one another and pray for one another that you may be healed. You know, this first part, it is a teaching on its own. La première partie est un enseignement en lui-même. I'm not going to dwell on it. Let's go to the second part. Lisons le deuxième verset. The effective, fervent prayer of a righteous man avails much. La prière fervente du juste a une grande efficace. Amen. That's what it says. The effective, fervent prayer of a righteous man avails much. La prière fervente du juste a une grande efficace. We are praying this series. It's called the prayer of the righteous. Cette série de prières s'appelle la prière du juste. Now the Bible says this righteous man here. Et la Bible dit que ce juste. He must not wait for his season. Il ne doit pas attendre sa saison. He must not pray and wait. Il ne doit pas prier et ensuite attendre. No, he must pray fervently. Il doit prier la prière fervente. He must pray with determination. Il doit prier avec détermination. He must pray earnestly. Il doit prier sincèrement. He must pray with force. Il doit prier avec force. He must pray persistently. Il doit prier avec persistance. He must pray consistently. Il doit prier avec consistance. Not pray 1 week and the next week you are off. No, I'm taking a break. Pas prier pendant une semaine et puis l'autre semaine tu prends un congé. That is not a fervent prayer. Cela n'est pas une prière fervente. And then you say you are waiting for your season. Your season will never come.
Et puis tu te dis, j'attends ma saison. Cette saison ne viendra pas. I say you can pray your season into existence. Je répète, tu peux prier et emmener ta saison en existence. If you believe it, say amen. Si tu le crois, dis amen. Let's read verse 17. Le verset 17. Elijah was a man with a nature like ours. And he prayed earnestly. He prayed fervently. He prayed with determination. He prayed with persistence. That it would not rain, and it did not rain on the land for 3 years and 6 months. Verse 18. And he prayed again, earnestly, with consistency, with persistence, fervently. Verse 18, and he prayed again, and the heaven gave rain, and the earth produced its fruit. Les versets 17 et 18. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance, avec détermination, pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, avec instance, avec persévérance, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisait son fruit. This is an example of a man who prayed a season into existence. Voici l'exemple d'un homme qui a prié et qui a mené une saison en existence. When it was not supposed to be the rainy season, he prayed that it would rain, and it rained. Quand normalement ce n'était pas la saison de pluie, il a prié pour la pluie et il a plu. And when it was the rainy season, he prayed for drought, for a dry season, and the dry season came. Et quand normalement c'était la saison de pluie, il a prié pour la sécheresse et il y avait la sécheresse. He prayed 2 seasons into existence, and so can you, because the Bible says he was a man like you. You can also pray a season into existence. Par ses prières, il a emmené 2 saisons en existence. Et la Bible dit qu'il était un homme comme toi. Cela veut dire que tu peux faire la même chose. You may be going through a season of drought, but you can pray for a season of abundant rain to exist in your life, and it will happen. Peut-être tu traverses une saison de sécheresse, mais tu peux prier et emmener dans ta vie une saison de pluie abondante. But the Bible says he prayed earnestly. Mais la Bible dit qu'il a prié avec instance. He prayed with determination. Il a prié avec détermination. And it is this kind of prayer of determination that avails much. Et c'est ce genre de prière de détermination qui produit des fruits. Not when they are telling you, no, you are praying too much, and like, yeah, you are right. I will soften it a bit. I'm going to stop a bit. I will take a break. No, come on. Pray always. 1 Thessalonians 5:17. Pray always. Pas quand on te dit que ce jour-ci tu pries trop et tu dis oui, tu as raison, je vais un peu doser ma prière. La Bible dit de prier sans cesse. If they tell you are praying too much, you know what you must do? Increase. Pray even more. That means your prayer is working. Si on te dit que tu pries trop, ce que tu dois faire, c'est augmenter encore ta prière, parce que cela veut dire que tes prières sont puissantes. It means if these guys can hear it, that means God can also hear it. Cela veut dire si les hommes peuvent entendre tes prières, Dieu aussi peut entendre tes prières. If these men can be troubled by my prayers, the demons can be troubled by my prayers. Si les hommes peuvent être troublés par mes prières, les démons aussi peuvent être troublés par mes prières. Hallelujah. Amen. Let us go to Jeremiah chapter 29 and verse 12. Ils ont Jérémie chapitre 29, le verset 12. The fervent prayer of the righteous. La prière fervente du juste. Not to pray only when you have problems, then you start jumping around looking for pastors. No, I will need to fast. We must fast as church. Why are we not having 3 days of fasting? No. Pas seulement quand tu as des problèmes, tu commences à sauter à gauche, à droite, cherchant le pasteur, cherchant les jeûnes de 3 jours. The effective fervent prayer of the righteous. La prière fervente du juste. Even if you are alone, you will pray for yourself. Même si tu es seul, tu pries pour toi-même. You will not be jumping around and calling pastors at midnight. Tu ne vas pas courir à gauche, à droite en appelant le pasteur à minuit. You will pray for yourself. Tu vas prier pour toi-même. You will lay hands on yourself. Tu vas t'imposer ta main à toi-même. You will lay hands on your children. Tu vas imposer les mains à tes enfants. And you will declare them healed in Jesus' name. Et tu vas les déclarer guéris au nom de Jésus. And they will be healed. Et ils seront guéris. Because the Bible declares. Car la Bible dit. Those who believe. Ceux qui croient. They will pray for the sick, and the sick will be healed. Ils prieront pour les malades et ils seront guéris. Those who believe. Ceux qui croient. Jeremiah 29 and verse 12. Jérémie 29, le verset 12. Then you will call upon me and go and pray to me
and I will listen to you. Verse 13. And you will seek me and find me when you search for me with all your hearts. You will seek me and find me when you search for me with all your hearts. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Amen. You will pray to me and I will answer. You will seek me and find me if you search for me with all your heart. Vous me prierez et j'exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. And then we have people in the church, they are praying, but their heart is not here. Mais nous avons des personnes dans l'église qui prient, mais leurs cœurs ne sont pas là. Just making noise, hallelujah. The Lord is in this place, God Almighty. But beloved, what are you saying? Ils sont en train de faire du bruit sans ne rien dire. Bien-aimé, qu'est-ce que tu dis? Hallelujah, hallelujah. Yes, hallelujah. And then prayer time finishes, but what prayer did you make? Et le temps de la prière finit, mais quelle prière as-tu fait? Your prayer with your eyes on the clock. Tu pries avec tes yeux sur la montre. Praying with a cell phone. Tu pries avec ton téléphone. Hallelujah, hallelujah. He's on WhatsApp, he's saying hallelujah. What hallelujah? Is hallelujah a prayer? Tu dis hallelujah, hallelujah sur WhatsApp. Est-ce que hallelujah est une prière? Lions les démons, hallelujah, hallelujah. Let us bind demons. Hallelujah, hallelujah. Prions pour les saluts. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus, praise God, praise God. Guys, we are praying for, you know, we are praying for salvation. We are casting out demons. Hallelujah means praise God. Nous prions pour le salut où nous chassons les démons et toi tu dis hallelujah. Hallelujah veut dire gloire à Dieu. Et puis le téléphone va sonner. And then your phone rings. Allô, bien-aimé. Hello. Nous sommes en prière. Hein? I'm praying, hey? Je vais vous rappeler après. I'll call you. I'll call you back. Et puis tu continues. And then you continue. Bien-aimé, je suis en train de prêcher. Hein? Beloved, I'm preaching. Je vous appelle après la prédication. I will call you after my preaching. Bien-aimé. Beloved. Si un pasteur est en train de prêcher comme ça. If a pastor is preaching like this, il prend un appel pendant la prédication. And he takes a phone call while he's preaching. Même s'il vous dit, excusez-moi deux minutes. Hein? Even if he says, excuse me two minutes. À la chair, il dit, excusez-moi, je suis en train de prêcher, je vous rappelle après la prédication. And he says, sorry, I'm preaching, I'll call you back when I'm done. Frère Jiré, comment tu te sens? How will you feel? Je suis pardonné, j'ai dit, excusez-moi. Will you forgive me? Comment est-ce que tu vois que je respecte ta présence ici? Est-ce que j'honore ta présence ici? Am I respecting your presence in this place? Mais je me suis excusé quand même. But I said I'm sorry. Bien-aimé, beloved, quand nous sommes en train de jouer avec le téléphone pendant la prière, nous faisons la même chose. When we play with our phones while we are praying, we are doing the same thing. Pendant que nous sommes en train de parler à Dieu, we are speaking to God. Il nous écoute. He's listening to on dit, us. Seigneur, excuse-moi deux minutes, je dois répondre à cet appel. And then you say, God, just two minutes, let me answer this phone call. Je suis en prière. Frère, ferme le truc. Prie. Rather switch off your phone and pray. Après la prière, tu vas appeler. And when you're done, you will call back whoever called you. Mais le problème, c'est que nous sommes sur le téléphone parce que notre cœur n'est pas dans la prière. But the problem is that we are on our phones because our hearts are not in our prayers. Le cœur est ailleurs. Our hearts are elsewhere. D'ailleurs, l'appel là, tu attendais ça. And that phone call, you were probably expecting it. Tu as le téléphone allumé là-bas en train de prier, mais les yeux sont sur le téléphone. You're praying, but your eyes are always jumping to your phone. Nous sommes à l'église en train de prier, mais les yeux sont sur la montre. We are at church praying, but your eyes are on your watch. J'espère qu'il ne va pas déborder aujourd'hui. Hey, I hope he's not going to go overtime today. Parce que l'émission là commence à 20h. Because my show is starting at 8 p.m. L'émission. My show. Est-ce que la télévision va t'amener au ciel? Will your TV bring you to heaven? La série là qui a commencé en 1960. That same series that started in 1960. Il y a des séries qui ont commencé en 1960. There are series that started in 1960. Tu connais tous les caractères, les noms de tout le monde, les acteurs, tu les connais. You know all the actors' names. Leur nom dans la télévision et dans la vraie vie, tu connais. You know the name of the character on TV and their names in real life. Dans la vraie vie, celui-ci, il est marié à telle. In real life, you know, he's actually married to that woman. Celle-là, elle est divorcée. And that one, she divorced. Ah, ils ont un enfant qui est drogué.
They have a child who is a drug addict. Mais si on te dit, Samad dit, nous raconte-moi l'histoire de Daniel dans la fosse aux lions. C'est dans quel verset? Tu vas dire, c'est dans Exode. But if we ask you Daniel in the lions, then what chapter is it? You'll tell us that it's in Exodus. Oui, bien aimé. Yes, beloved. Il y avait un frère qui exhortait ici la prière. There was a brother who was leading prayer. Pastor, vous rigolez. You laugh. Some of you may laugh. Il conduisait la prière, bien aimé. He was leading prayer. Mais ce n'était pas un lecteur de la Bible. But he was not a reader. Il a dit, of the Bible. Moïse dans la fosse aux lions. And he said Moses in the lion's den. Quel Moïse? When was Moses with the lions? Le cœur n'est pas là. Your heart is not here. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. You will seek me and find me if you seek me with all your heart. Pas la présence ici, mais le cœur est à la télévision dans la série. Not your body here, but your heart is waiting for your series. Pas les lèvres en train de parler à Dieu, mais entre-temps tu attends un appel au téléphone. Not your lips speaking to God, but your mind is waiting for that phone call. Voici un peuple qui ne m'adore que des lèvres, mais son cœur est ailleurs, Jésus a dit. Jesus said, a people that worships me with their lips, but their hearts are far from me. Bien-aimés, nous allons prier. Beloved, we are going to pray. Et ce soir, quand nous prions, and tonight when we pray, que ton cœur soit impliqué dans la prière. Let your heart be present in the prayer. Et ce soir, quand nous prions, tonight when we pray, parle avec ton intelligence. Speak with your mind. Que tes paroles puissent sortir clairement. Ne dis pas Alléluia, Alléluia. Speak clearly with your words. Don't just mumble and say hallelujah, hallelujah. Oui, Paul a dit, il y a un temps pour la prière, on prie avec intelligence, et il y a un temps pour prier avec l'esprit, on prie en langue. Paul said that there is a time to speak with your mind and then another time to speak with your spirit in tongues. Alléluia, alléluia, ce n'est pas une prière. Hallelujah is not a prayer. Et puis les gens sont impressionnés. And then people are impressed. Ah, les frères là, il a l'onction, hein. Sure, that brother has anointing. Quelle onction? So much anointing. Amen. Which anointing? Amen. Ce soir, nous allons prier. We're going to pray tonight. Nous avons 6 requêtes de prière. We have 6 prayer requests. Et nous prions la prière du juste. And we are going to pray the prayer of the righteous. Bien-aimé, tu es injuste. Beloved, you are righteous. À la croix du calvaire, Jésus-Christ t'a justifié. At the cross, Jesus justified you. Tu es injuste. You are righteous. À la croix du calvaire, Jésus-Christ t'a sanctifié. At the cross, Jesus sanctified you. Tu es un saint. You are holy. Que les saints disent amen. Let the holy ones say amen. Nous allons nous tenir debout, bien-aimés. Let us stand up, beloved. La première requête. The first prayer. Elle est basée sur Matthieu 5, 6. Is found in Matthew chapter 5, verse 6. Matthew chapter 5 and verse 6. The Bible says, "Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled." Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. Matthieu 5, 6. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Bien-aimés, ceux qui désirent marcher dans la piété. Beloved, those who want to walk in godliness. Ceux qui désirent marcher sur terre dans la justice. Those who want to walk in righteousness. La Bible dit qu'ils seront rassasiés. The Bible says that they will be filled. Sur la première requête de prière. So our first prayer. Seigneur, je désire marcher dans la justice. Say, God, I want to walk in righteousness. Aide-moi à mener une vie de piété. Help me to lead a godly life. Increase my righteousness. Augmente ma justice. Bien-aimé, il y a des choses qu'on ne peut pas faire de nous-mêmes. Beloved, there are things that we cannot do by ourselves. Dieu nous a donné la loi parce qu'on lui a dit qu'on peut faire ça de nous-mêmes. Il a dit, prenez la loi, marchez comme vous voulez. Mais voici la loi. On n'a pas pu garder la loi. We said to God, we can do everything by ourselves, and He said, "Here is the law. Walk by yourselves," and we failed to do so. Après est venu le temps de la grâce. Là, nous sommes assistés par le Saint-Esprit. And then came the time of grace, where we are helped by the Spirit. Là, on avait échoué de nos propres efforts dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, nous avons la force de vaincre le péché, la force de marcher dans la piété avec l'aide du Saint-Esprit. Where we failed in the Old Testament, by the help of the Spirit in the New Testament, we are able to succeed. Blessed are those who thirst and hunger for righteousness, for they shall be filled. Pray for righteousness. Lord, I want to be righteous. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Dis, Seigneur, je désire la justice. Help me to walk in righteousness. Aide-moi à marcher dans la justice. When my feet are going to the wrong places, take away my feet from the wrong places and put them back on the right path. Quand mes pieds me guident aux mauvais endroits, ramène-les sur la bonne voie. Il y a des gens, quand ils sont en train de pécher, le Saint-Esprit les parle. Il y a des gens, quand ils sont en danger, le Saint-Esprit les parle. Il y a des gens, quand ils sont allés dans un mauvais endroit, le Saint-Esprit les parle. Nous voulons que le Saint-Esprit nous parle et nous aide toujours à garder la justice, à garder la piété.
There are people that when they are sinning or when they are going on the wrong path, the Holy Spirit speaks to them. We want the Holy Spirit to speak to us so he can bring us back onto the right path. Seigneur, je désire marcher dans la justice. Aide-moi. I want to walk in righteousness. Help me. C'est la première requête des prières. Prions au nom de Jésus. That is our first prayer. Au nom de Jésus. Pray. Seigneur, nous désirons marcher dans la justice. Nous voulons être des justes pour toujours. Pas de temps en temps, pas quand ça nous plaît, pas quand nous sommes forts, pas quand nous le voulons. Nous voulons être justes, mon Père et mon Roi, toujours au nom de Jésus-Christ. Prends le contrôle. Que le Saint-Esprit prenne le dessus. Quand nous voulons, mon Père et mon Roi, donner place à la chair, que le Saint-Esprit prenne le dessus. Quand la chair est fait dominer, que l'Esprit soit plus fort. Au nom de Jésus. Father, your word declares, blessed are those who seek and who thirst and who hunger for righteousness, for they shall be filled. Fill us with righteousness, fill us with godliness, fill us with the desire for you, fill us with the thirst for you. Rassasie-nous, mon Père et mon Roi. Nous voulons être rassasiés de ta justice, nous voulons être rassasiés de la piété, au nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit nous aide à mener une vie pieuse, au nom de Jésus-Christ. Quand nous voulons nous égarer du droit chemin, que le Saint-Esprit nous ramène sur le droit chemin, que la lampe témoin nous parle en nous-mêmes, au nom de Jésus-Christ. La lampe témoin du Saint-Esprit nous parlera au-dedans de nous, nous rassasiera de la justice et nous allons haïr la méchanceté, nous allons haïr le péché, nous allons fuir le péché et nous rentrerons dans la justice et dans le droit chemin et nous rentrerons dans la piété au nom de Jésus. Papa, de ma propre force, je ne saurais pas. C'est pour cela que je demande la force du Saint-Esprit. Aide ton peuple à marcher dans la justice. Que foi et victoire soient connues comme une église des hommes et des femmes intègres. Que foi et victoire soient connues comme une église des hommes et des femmes justes. Dans le nom de Jésus, des hommes qui craignent le Seigneur, des femmes qui craignent le Seigneur, qui marchent dans la piété, dans la sainteté et dans la sanctification. Oh Papa, aidez-nous à être justes. Aidez-nous, garde-nous dans la justice et dans la piété. Nous désirons être justes, toujours, pas de temps en temps, pas quand ça nous plaît, mais toujours, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. The second prayer request. La deuxième prière. The prayer of the righteous. La prière du juste. Psalm chapter 5. Psaume chapitre 5. And verse 12. Le verset 12. Psalm chapter 5 and verse 12. Psaume 5, le verset 12. For it is you who blesses the righteous. You bless the righteous man, O Lord. You surround him with favor as with a shield. Alors, tous ceux qui se confient en toi se réjouiront. Ils auront de l'allégresse à toujours et tu les protégeras. Hallelujah. Amen. You bless the righteous with favor. Tous ceux qui se confient en toi se réjouiront. You surround him with favor. Tu l'entoures de faveur. As with a shield. Et d'un bouclier. We are going to pray and ask for God to surround us with favor. Nous allons demander à Dieu de nous entourer de faveur. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Are you there in Psalm chapter 5 and verse 12? You bless the righteous with favor, you will surround him as with a shield. Le verset 13, car tu bénis le juste, ô Éternel, tu l'entoures de ta grâce comme un bouclier. Favor. La faveur. Favor as a shield. La grâce, la faveur comme un bouclier. When do you need a shield? Quand est-ce que tu as besoin d'un bouclier? You need a shield in battle. Quand tu es en combat. You need a shield when you are attacked. Tu as besoin d'un bouclier quand tu es attaqué. And a shield is huge, it is big. Et un bouclier, il est grand. And it protects your entire body. Et il protège ton corps entier. Now the Bible says. Et la Bible dit. You bless the righteous man. Tu bénis le juste. And with favor, you surround him. Et tu l'entoures de faveur. As with a shield. Comme d'un bouclier. It means when he is in battle. Cela veut dire quand il est dans un combat. When he is experiencing difficulties around him.
Quand il fait face aux difficultés, when doors are closed around him, quand les portes lui sont fermées, your favor will make a way. Ta faveur va créer un chemin. Pray, Lord, bless me with your favor. Dis, Seigneur, bénis-moi avec ta faveur. When you have God's favor, quand tu as la faveur de you Dieu, have victory in battle. Tu as la victoire dans tes combats. When you have God's favor, quand tu as la faveur de Dieu, doors that are closed will open. Les portes qui étaient fermées s'ouvrent. When you have God's favor, quand tu as la faveur your de Dieu, enemies will say yes to you. Tes ennemis vont te dire oui. When you have God's favor, quand tu as la faveur what de was Dieu, impossible becomes possible. Ce qui est impossible devient possible. When you have God's favor, quand tu as la faveur in de the Dieu, same place where you failed yesterday, you will succeed today. Au même endroit où tu as échoué hier, tu vas réussir aujourd'hui. Lord, bless me with your favor. Seigneur, bénis-moi de ta faveur. It is a promise to the righteous. C'est une promesse pour le juste. Let's pray for favor in Jesus' name. Nous prions pour la faveur. Papa, nous prions pour la faveur dans tout ce que nous faisons, dans nos entreprises, dans nos familles, dans nos foyers, dans nos travaux, dans nos études, dans nos ministères. Papa, nous prions pour la faveur dans le nom de Jésus. Ta parole déclare que tu entoures le juste de ta faveur comme d'un bouclier. Ta faveur nous entoure comme un bouclier. Dans le combat, nous sommes victorieux. Mon Père et mon Roi, quand les choses sont compliquées, tu nous donnes la victoire. Mon Père et mon Roi, comme un bouclier, ta faveur est autour de nous. Jésus, tu bénis les justes, tu bénis les justes, bénis-nous papa, car c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, bénis ton peuple, bénis tes enfants, bénis foi et victoire, dans le nom de Jésus, 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 bénis ton peuple papa, bénis tes enfants Dieu des armées, et entoure-les de ta faveur. Partout où ils iront, que ta faveur les entoure. Partout où ils iront, que ta faveur les entoure. Ils puissent, mon Père et mon Roi, trouver faveur devant les hommes. Faveur même devant leurs ennemis. Dans le nom de Jésus-Christ, in the name of Jesus, your people will find favor. Even in the eyes of their enemies, they will find favor. In Jesus' mighty name, in Jesus' mighty name, in Jesus' mighty name, in Jesus' mighty name. Father, we pray for favor. We pray for favor. We pray for favor in the name of Jesus. In the name of Jesus. Favor in our work. Favor in our businesses. Favor in everything that we do. In Jesus' mighty name. 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 Papa, tu nous donnes ta faveur. Tu nous donnes ta faveur dans tout ce que nous faisons. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mon Père et mon Roi, ta faveur dans nos affaires. Que les portes s'ouvrent. Ta faveur dans nos familles. Que les portes s'ouvrent. Ta faveur pour le mariage de mes frères et sœurs. Que les portes s'ouvrent. Que celui qui cherche une fiancée la trouve. Une femme qui craint l'Éternel. Que celle qui trouve, qui cherche un mari, le trouve. Un homme qui te craint et qui te serve. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci pour ta faveur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Hallelujah. Beloved, Proverbs chapter 13 and verse 25. Proverbe chapitre 13, le verset 25. The Bible says, the righteous eats to the satisfying of his soul, but the stomach of the wicked shall be in want. Le juste mange et satisfait son appétit, mais le ventre des méchants éprouve la disette. The righteous eats to the satisfying of his soul. Le juste mange et satisfait son appétit. Tu manges, tu t'es rassasié et ton âme est bénie. You eat, you are filled, and your soul is blessed. C'est là le verset qui dit, vous mangerez et vous vous rassasierez et vous bénirez le nom de l'Éternel. It's like the verse that says, you will eat and be filled and you will bless the name of the Lord. Il y a des gens qui mangent mais qui ne se rassasient pas. There are some people that eat but they are not filled. Nous allons prier pour la provision. We are going to pray for provision. La provision ne manquera pas dans ta maison au nom de Jésus-Christ. May provision never lack in your home in Jesus' name. Le juste mangera et se rassasiera. Il mangera à sa faim. The righteous will eat and be filled. Et ici, je veux qu'on puisse prier pour la provision divine, pas seulement pour la nourriture, mais aussi pour les soifs que tu as. And here we're going to pray for divine provision, not only for food, but whatever you desire. Il y a des gens qui ont soif de la réussite.
There are people who thirst for success. Il y a des gens qui ont soif de la prospérité. There are people who thirst for prosperity. Il y a des gens qui ont soif d'avancer dans la vie. There are people who thirst to go further in life. Il y a des gens qui ont soif d'avoir un mari, d'avoir une femme. There are people who thirst to have a husband or a wife. Et il y a des gens qui sont mariés qui ont soif d'avoir un bon mariage parce que ce qu'ils vivent maintenant, c'est le calvaire. And there are some people who are married who thirst for a good marriage because the marriage that they have is not what they want. Tu as une soif quelque part ce soir. You have thirst, you thirsty. Nous allons prier pour la provision divine. You are going to ask for divine provision. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. It is the blessing of the Lord that makes one rich. Say, Lord. Dis Seigneur. The righteous eat to the satisfying of his soul. Satisfy my soul today. In the name of Jesus Christ, my every need, I have divine provision. Pray for divine provision in Jesus' name. Dans le nom de Jésus-Christ, dans tous les domaines de ta vie. Dans tous les domaines de ta vie, prie pour la provision divine. Dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ. Papa, nous prions pour la provision divine ce soir, pour voir tous nos besoins dans le nom de Jésus. Mon Père et mon roi, ta parole déclare que les justes mangent à sa faim. Dans le nom de Jésus, les justes mangent à sa faim. The righteous has enough to satisfy his appetite. The righteous has enough to satisfy his soul. We will not go hungry. We will not beg for food. Our children will not beg for food. Our descendants will have an inheritance. In Jesus' mighty name, Papa, j'aimerais prier, oh Dieu des armées, pour la provision divine. Que ce soit mon Père et mon roi à manger. Que ce soit mon Père et mon roi le logement. Que ce soit mon Père et mon roi un mari ou une femme pour ceux qui le cherchent. Que ce soit mon Père et mon roi la réussite dans les affaires ou l'élévation dans le travail. Ou mon Père et mon roi, tout ce dont nous avons besoin, tu pourvois dans le nom de Jésus d'une manière divine, d'une manière surnaturelle, tu pourvois à nos besoins, tu pourvois aux besoins de mon frère, tu pourvois aux besoins de ma soeur. Il y a des gens qui ont soif de guérison. Papa, tu les touches et ils ont la guérison. Et mon Père et mon roi, ils n'ont plus faim. Ils n'ont plus faim. Il ne leur manque pas. Mon Père et mon roi, la santé, ils ont la santé et ils l'ont en abondance. Au nom de Jésus, que ceux qui ont soif soient rassasiés. Que ceux qui ont faim soient rassasiés. Dans le nom de Jésus-Christ, mon Père et mon roi, le juste mange à sa faim. Au nom de Jésus-Christ, tu vas nous rassasier. Tu vas rassasier ton peuple. Ta parole déclare, vous mangerez, vous vous rassasierez et vous bénirez le nom de l'Éternel, votre Dieu. Oui, Papa, nous voulons manger, nous voulons nous rassasier, nous voulons réussir. Nous voulons, mon Père et mon roi, la promotion. Nous voulons, ô Dieu des armées, la guérison. Nous voulons, ô Dieu des armées, la percée. Là où il y a le blocage, nous prions pour le blocage. Là où il y a les portes fermées, que les portes s'ouvrent dans le nom de Jésus. Dans tous les domaines de la vie, dans tous les domaines de la vie, nous prions, mon Père et mon roi, pour une saison de délivrance, une saison de grâce, une saison d'abondante pluie, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, la délivrance pour le mariage de mon frère et de ma soeur qui sont en train de traverser des problèmes dans leur foyer. Je déclare la délivrance. Le problème est décanté. Il y a la paix et l'harmonie. Tu pourvois ta paix, shalom. Tu pourvois ta paix, shalom. La provision divine. La véritable paix qui vient de toi. Tu bénis le mariage de mon frère et de ma soeur. Ils ont la paix dans leur foyer. Ils ont la paix dans leur foyer. Ils ont la paix dans leur foyer. Mon Père et mon roi, nous ne manquerons pas de paix. Because your word declares, the righteous eat to the satisfying of his soul. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Beloved, you are going to read Proverbs chapter 28. Proverbe 28. And we're going to read verse 1. Le verset 1. Proverbs 28 and verse 1, the Bible declares. Proverbe chapitre 28, le verset 1. The wicked flee when no one is pursuing, but the righteous are bold as a lion. Le méchant prend la fuite sans qu'on le poursuive. Le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Where people are running away in front of problems. Quand les gens fuient les problèmes. You know, there was a bomb scare in Sandton last week. Il y avait apparemment une bombe à Sandton la semaine dernière. It was a false alarm.
Et c'était faux. People were going. Et les gens fuyaient. People were running away. Les gens couraient. Les gens étaient en train de manger, ils ont fui les restaurants sans payer leurs factures. People were eating and they ran away from the restaurants without paying the bills. Ces jours-là, ils ont mangé gratuitement à Sandton. That day they ate for free in Sandton. Vraiment, si j'étais là vraiment. I wish. And I stand with boldness in the face of danger. And I stand with boldness in the face. I will not fear sickness. I will not fear sickness. I will not fear disease. I will not fear disease. I will not fear financial crisis. I will not fear financial crisis. I will not fear COVID-19. I will not fear COVID-19. I am as bold as a lion. I am as bold as a lion. In the name of Jesus. Déclare au nom de Jésus-Christ. Declare in Jesus' name. Je n'ai que de tout danger. Le Seigneur est ma délivrance. Le Seigneur est mon salut. Je n'ai peur d'aucun danger. Je n'ai peur d'aucun danger, d'aucun sorcier, d'aucun magicien, d'aucune maladie. Le COVID, je n'ai pas peur du COVID, car c'est le Seigneur qui est mon Jéhovah Rapha. Je n'ai pas peur de la disette, car c'est Dieu qui est mon Jéhovah Jiré. Je n'ai pas peur, je n'ai pas peur, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur des troubles ou bien de la crise, car c'est lui qui est mon Jéhovah Shalom. Dans le nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, je n'ai pas peur de la guerre, car il est ma bannière. Au nom de Jésus-Christ, alléluia, mon Père et mon Roi, à cause de toi, à cause de ta présence à mes côtés, je suis mon Père et mon Roi, fort comme un lion, I'm as bold as a lion, in Jesus' mighty name, in Jesus' mighty name. Father God Almighty, a lion is not hunted by any other. He is an apex hunter. Lord Almighty, I will not fear. I will not run away. I will not die of sickness. I will not die of disease. I will not die of hunger. I am as bold as a lion. I have the lion of the tribe of Judah inside of me. And because of the victory he grants me over my enemies, I stand. I will not flee. I will not bounce. Those who are pursuing me, those who are fighting me, they themselves will run away. They will turn back and go back where they come from. In Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. Merci Seigneur. Hallelujah. Bien-aimé, Proverbes 11. Proverbs chapter 11. Et le verset 8. Verse 8. The righteous is delivered from trouble, and it comes to the wicked instead. Le juste est délivré de la détresse et le méchant prend sa place. The righteous is delivered from trouble. Le juste est délivré de la détresse. But the wicked takes his place. Et le méchant prend sa place. Whatever plot that is being hatched against you. Tout mal qui est conçu contre toi. It will happen to your pursuers. Va se réaliser contre ceux qui te poursuivent. Whatever evil your enemies are plotting against you. Tout mal que tes ennemis complotent contre toi. They themselves will reap it in Jesus' name. Eux-mêmes vont récolter ce mal au you nom will de Jésus. Pray now. Tu vas prier maintenant. And say, Lord. Et dire, Seigneur. The Egyptians wanted the children of Israel to die, but they themselves died. Les Égyptiens voulaient la mort des enfants d'Israël, mais eux-mêmes sont morts. Haman wanted the death of Mordecai, but he himself died. Haman voulait la mort de Mardoché, mais lui-même est mort. Also, all of my enemies who are pursuing me, who want me to perish, they themselves will perish in Jesus' name. Que tous mes ennemis qui veulent que je périsse, périssent eux-mêmes au nom de Jésus. The righteous is delivered from trouble. Le juste est délivré de la détresse. Beloved, if there is trouble in your life, do not fear. Bien-aimé, s'il y a la détresse dans ta vie, ne crains point. Man made trouble. Une détresse créée par des hommes. I tell people who fight me. J'ai dit aux personnes qui me combattent. You know, I tell people who fight me, don't.
Ceux qui essayent de me combattre, je leur dis, n'essayez même pas. Something bad can happen to you. Just don't. I'm warning you. Un danger peut arriver. N'ose pas. Whether you pray or you don't pray, you are the apple of God's eye. He himself will defend you. Que tu pries ou pas, Dieu lui-même va te défendre. God is going to slap someone when you are busy sleeping at home peacefully. He will be slapping your enemies. Dieu sera en train de taper tes ennemis pendant que tu es en train de dormir chez toi. So the wickedness they are plotting for you, it will happen to them in Jesus' name. Alors le mal qui complote contre toi va se réaliser contre eux-mêmes. So you are going to pray now. Alors prie maintenant. You say, Lord, et dis, your word declares, ta parole dit, the righteous is delivered from trouble. Le juste est délivré de la détresse. But the wicked takes his place. Et le méchant prend sa place. I declare this word in my life. Je déclare cette parole dans today ma vie. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Pray, 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 pray. Nous dans prions. Le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Tout méchant qui est en train de planifier le malheur, la détresse contre moi. Cette détresse va lui arriver lui-même au nom de Jésus-Christ. Mon Père et mon Roi, c'est ta parole qui l'a dit et non pas moi. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. The righteous is delivered from trouble. All my troubles, you deliver me from them. And those who are plotting against me, those who are plotting against me, Lord Almighty, they themselves, in Jesus' mighty name, you will expose, you will expose, you will expose. They will take my place. In Jesus' mighty name, in Jesus' mighty name. This is what happened for Haman. This is what you did, Lord Almighty, for Mordecai. It will happen to my enemies who are plotting my fall, who are plotting my demise, who are plotting my failure. They themselves will fall. They will take my place. I will not fail. I will not fall. I will not die. Those who are plotting these things against me, they will reap these things. They will take my place. They will take the trouble they are plotting against me. Dans le nom de Jésus-Christ, tous ceux qui planifient le mal contre moi, tous ceux qui parlent au nom de Jésus-Christ contre moi, tous ceux qui déclarent contre moi, je dis retour à l'expéditeur. Retour à l'expéditeur. Tout le mal que vous planifiez contre moi vous frappera au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, les justes est délivré de la détresse et les méchants prend sa place. Le méchant qui planifie ma détresse, lui-même sera dans la détresse. Le méchant qui planifie ma mort, lui-même sera dans la mort. Le méchant qui planifie ma chute, lui-même va chuter. Le méchant qui planifie mon échec, lui-même va échouer. Et moi, je suis délivré de la misère, je suis délivré de la mort, je suis délivré de la médiocrité, je suis délivré de l'échec, je suis délivré de la chute, je suis délivré des plans des sorciers, des plans des magiciens, des plans des démons. Dans le nom de Jésus, je suis plus que vainqueur, j'ai la victoire sur tous les plans de l'ennemi. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Hallelujah, hallelujah. Praise God. Beloved in the Lord. Bien-aimé. We're going to pray Psalm chapter 37. Psaume chapitre 37. Psalm chapter 37. Psaume 37. Verse 12 and 13. Versets 12 et 13. Can you read that in French? Psalm chapter 37, verse 12 and 13. Psaume 37, le verset 12 et 13. Le méchant forme des projets contre le juste et il grasse des dents contre lui. Le Seigneur se rit du méchant. Hallelujah. Car il voit que son jour arrive. Amen. Amen. The wicked plots against the righteous. The wicked is plotting something against the righteous. But the Bible says the Lord is laughing at him when he's plotting against you. The Lord is laughing at your enemies when they are plotting against you. Now we are going to pray. Like this widow, she said, comme cette veuve qui a dit, she prayed to the just, to the unjust judge, deliver me, avenge me from my adversaries. We are going to pray for God to avenge us against our enemies. Comme la veuve qui priait que le juge lui venge de ses ennemis, nous allons demander que Dieu nous venge de nos ennemis. The wicked plots against the righteous. Le méchant forme des projets contre he le juste. He gnashes his teeth in anger. Et il grince ses dents contre lui. Yeah, I will have you. En dirant, je t'aurai. You will fail. Tu vas voir. It's over for you. C'est fini pour toi. And he's laughing a wicked laughter. Et il se moque de toi. But the Lord is laughing at him. Mais le Seigneur se rit du méchant. You don't know what you are playing with, petit. Il dit, tu ne sais pas avec qui tu joues. Something is going to happen to you. Quelque chose va t'arriver. Ask for the Lord to avenge you. Demande que le Seigneur te venge. Say, Lord, you know my enemies. I don't know them. Dis, Seigneur, tu connais mes ennemis. Moi, je ne les connais pas. Avenge me.
vengeance. Let's pray in Jesus' name. Nous prions. In Jesus' name, in Jesus' name. Father, your word declare that they plot against us, they gnash their teeth against us, but Lord, you are laughing at them because you know their day is coming, their reward is coming. Papa, avenge-nous au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, avenge us au nom de Jésus-Christ. Fais-nous justice, Papa, devant nos ennemis. Vindicate us, O Lord. You know my enemies. You know who they are. You know where they are. Deal with them. Deal with them. Avenge me, O Lord. In Jesus' mighty name. 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 Father, we declare vengeance for your children. Tous ceux qui sont en train de combattre tes enfants, je déclare la vengeance. Tu vas, mon père et mon roi, venger tes enfants. Tu vas venger tes enfants. You will avenge your children. You will deal decisively with their enemies. You will crush their enemies under their feet. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, nos ennemis sont sous nos pieds. Nos ennemis sont sous nos pieds. Tu nous donnes la victoire sur les méchants. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, tu nous donnes la victoire sur nos ennemis que nous ignorons, que nous ne connaissons pas, ceux qui nous accusent gratuitement, ceux qui nous accusent faussement. Tu nous donnes la victoire dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Fais-nous justice, Papa, là où nous sommes accusés faussement. Fais-nous justice, Papa, là où nous sommes pointés du doigt. Fais-nous justice, Papa, là où nous sommes volés. Fais-nous justice, Papa, là où nous sommes dérobés. Fais-nous justice, Papa. Fais-nous justice, Papa. Que tous ceux qui nous volent, que tous ceux qui nous pillent, tous ceux qui nous insultent, tous ceux qui nous maudissent, restituent au nom de Jésus. Tous ceux qui nous ont volés, qu'ils restituent, qu'ils restituent, qu'ils restituent. Papa, deal with them decisively in Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. Papa, deal with our enemies. Deal with our enemies. You know who they are. You know where they are. You know how many they are. We ignore their number. In Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. Thank you, King of Glory. In Jesus' name. Hallelujah. Beloved in the Lord. The effective prayer of the righteous la prière fervente du juste avails much. A une grande efficacité. James 5:16. Jacques 5, verset 7. Verse 17. Verset 17. Elijah was a man like us. Il était un homme comme nous. He prayed earnestly. Il a prié avec instance. For rain to stop. Que la pluie cesse. And rain stopped. Et la pluie a cessé. Verse 18. Et verset 18. He prayed again. Il pria de nouveau. For the rain to fall down. Et le ciel. And there was rain. Et le ciel donna de la pluie. And there was rain. Et le ciel donna la pluie. And the earth produced its fruit. Et la terre produisit son fruit. In other words, Elijah prayed for a season that was absent, and that season came into existence. Cela veut dire que Élie a prié pour une saison qui était absente et cette saison s'est produite. I want you to pray for the season that you've been expecting. Prie pour la saison que tu désires. You have experienced blockage for a long time. Tu as fait face au blocage pendant longtemps. You have experienced a specific problem in your life for a long time. Tu as fait face à un problème en particulier pendant longtemps. That was your dry season. C'était ta saison sèche. Today I want you to pray your season of blessings, your season of abundant rain, pray it into existence in Jesus' name. Aujourd'hui, prie et déclare une saison de pluie, une saison d'abondance. Declare, Lord, I declare in my life that it is now the season of abundant blessing. Prie et dis, je déclare que maintenant c'est une saison de bénédiction abondante. It is a season of breakthrough. C'est une saison de percée. The things that have been running away from me, now I have them in Jesus' name. Les choses qui me fuyaient, maintenant je les ai au nom de Jésus. You've been blocked in something for a long time. For some people, it is debt. Tu as été enfermé dans un problème pendant longtemps. Pour certains, c'est les dettes. For some people, it is a certain amount of money that you cannot have beyond that amount. Pour certains, c'est un montant d'argent que tu n'arrives pas à atteindre. You are going to pray for a season of breakthrough. Tu vas prier pour une saison de percée. That the season of struggling is gone in Jesus' name. Déclare que la saison des difficultés est finie. The season of struggling is gone in Jesus' name. La saison des difficultés est finie. You know there is a problem in your life that is eating at you. Whenever you go to bed at night, it is pinging your heart. Il y a un problème qui te dérange chaque nuit quand tu te couches dans ton lit, ça te fait mal au cœur. Pray for a new season. Déclare une nouvelle saison. Elijah prayed for a new season in his life. Things changed.
Élie a prié pour une nouvelle saison et les choses ont changé. Things change in Israel. Les choses ont changé en Israël. Declare a new season in your life. Déclare, a season of abundance. Déclare une nouvelle saison, une saison d'abondance. A season of breakthrough. Une saison de percée. A season of favor. Une saison de faveur. Whatever you do will prosper. Tout ce que tu fais va réussir. Whatever you touch will turn to gold. Tout ce que tu touches va réussir. In Jesus name, let us pray. Dans le nom de Jésus, nous déclarons une nouvelle saison sur tes enfants, sur Foyer Victoire. Papa, une saison de paix, une saison de paix shalom, une saison de prospérité, une saison de faveur, une saison, mon Père et mon Roi, d'abondante pluie, de bénédiction, une saison nouvelle, une saison de réussite, dans le nom de Jésus, une saison. Papa, ta parole déclare que cette année est une année de l'alliance et de la paix. Nous déclarons une saison de paix à Foi et Victoire, au nom de Jésus, pour tes enfants dans cette église, une nouvelle saison de paix, au nom de Jésus, une saison de prospérité, une saison d'abondance, une saison d'élévation, une saison de prospérité. Mon frère prospère à tous égards, qu'on prospère l'état de son âme. Mes frères prospèrent à tous égards, qu'on prospère l'état de leur âme, dans le nom de Jésus. Papa, nous déclarons une nouvelle saison à Foi et Victoire, au nom de Jésus Christ. Au nom de Jésus Christ. Father, we thank you. We thank you, Lord Almighty. Thank the Lord for all the blessings that he has bestowed to the righteous. Remercie le Seigneur pour ses bénédictions. Remercie le Seigneur parce qu'il te rend juste. Remercie le Seigneur car il ouvre les portes. Remercie le Seigneur car il te donne la percée. Remercie le Seigneur car il te délivre de tes ennemis. Remercie le Seigneur car tes ennemis prennent ta place. Ceux qui voulaient que tu puisses être dans la souffrance, eux-mêmes vont souffrir. Ils prennent cette place. Ceux qui étaient... Remercie le Seigneur pour la provision divine. Remercie le Seigneur pour la délivrance dans le nom de Jésus. Remercie tes ennemis. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur pour la délivrance. Remercie le dans ta vie. Il y aura une différence dans ta vie. Il y aura une différence dans ta vie. Il y aura une différence dans ta vie. Il y aura une nom de Jésus. Iriabashika rabasendre. Roboshia rabashika rabasendre. Orabashika basika rabasendre. Roboshia kabashika rabasendre. Riabashika rabasendre rabasendre. Roboshia bashika basika rabasendre. Orabashika basendre. Father, we thank you. It is a new season. It is a new season for faith and victory. Une nouvelle saison pour foi et victoire. Une onction fraîche. Les portes ouvertes. Des délivrances pour tes enfants. Dans le nom de Jésus, la percée pour ceux qui étaient bloqués. Dans le nom de Jésus, l'onction au nom de Jésus pour guérir les malades, pour ouvrir les yeux des aveugles. Et là, mon Père et mon Roi, l'ouïe de ceux qui étaient sourds d'oreille au nom de Jésus. Mon Père et mon Roi, merci. Merci, Papa, pour la nouvelle saison. Dans le nom de Jésus-Christ, nous prions avec action de grâce. Amen et amen. Amen. Give a hand to Jesus. Acclamons pour Jésus. Can you give a hand to Jesus properly? Acclamons pour Jésus. Hey family, we hope you enjoyed today's service and were truly blessed by it. Don't forget to like, to subscribe, and to share the social media pages at Faith and Victory SA. We'll see you again soon.